que les arbres avaient grillé, parce que là, l'eau est rentrée. Là, ça fait une cuvette. L'eau de mer est restée là-bas. Et regardez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il y en a bien 6, 7 des chênes. Il y en a qui vont s'en remettre. Par contre, il y en a deux, vous avez vu, hein, fini. Là, il n'y a rien à faire. Hein. Donc, je suis allé regarder les dégâts. D'accord. Et là, elle me part dans les pattes. Bon, ben, le vieux réflexe. Je l'attrape directement. Voilà, je parce que je ça reste regarde. Encore un peu marécageux, c'est pour ça qu'elle y était ou ouais, il y a là, encore en fait, c'est, tout ça c'est un petit peu marécageux. Ouais. D'ailleurs, vous voyez ce qu'il atteste, c'est les, ces plantes-là, là, qui sont des roseaux. Vous voyez Vous voyez les mêmes plantes que, ce que les enfants me prennent pour du maïs, là. Voilà, ça c'est des roseaux, ça. C'est des roseaux, ça veut bien dire qu'il y a un affleurement. C'est un classique sur le Cap Ferret, vous savez, en marchant dessus de nos pieds, il y a souvent la nappe d'Alios. Qui a donné le nom au Cap Ferret, hein, parce que le trait est origineux. Comme c'est imperméable, je me suis à moins de 4 mètres en général, voilà, et des fois ça affleure. D'accord. Et là ça affleure à ce endroit-là. Donc je vais là-bas, et puis ouais, ça pourrait se partir, ça s'attrape. Alors les serpents comme ça, c'est assez marrant, il y a plusieurs façons de se protéger. Là c'est une couleuvre à collier, c'est une mangeuse de grenouilles, donc elle n'est pas du tout embêtante. En revanche, donc d'abord, elle fait de l'esbrouf, c'est-à-dire qu'elle se met en rond comme ça. Elle fait sans doute nous attaquer. Ah oui. Mais elle ouvre même pas la bouche. D'accord. Quand on sait.